Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Rekai et je me retrouve avec Macrintor sur EU4. Salut tout le monde. Bon, on a une importante annonce à vous faire. Enfin, importante. Il n'y a rien de grave, hein, vous inquiétez pas. Ouais, on n'est pas malade, rassurez-vous, hein. C'est juste qu'on disait que l'épisode du jour, celui donc d'aujourd'hui, que vous regardez là en ce moment même, ce sera le dernier. La série. Oui. Parce que techniquement, avec Serikai, comme on dit, voilà, la partie ça devient en mode ça dure. Nous, on est en mode on va tester autre chose. Là, il y a des épisodes, je crois, j'avais regardé, là, on doit être fin juin quand vous allez lire ça. Ouais. Nous, on est en mi-juin, on va commencer parce qu'en fait, on fait des sessions d'enregistrement et on va lancer. Donc, en fait, ça qui est marrant des fois quand on parle de ça, série, tu regardes, si on dit ouais, alors on va lancer une partie sur tel truc, sauf que la partie, par exemple, elle dure déjà depuis 3 jours, quoi. Ils disent ouais, on sait, connard. C'est comme quand je commande des matchs de foot en différé, quoi. Un quoi se faire insulter. Bon, bah voilà, allez, on enlève la pause, on Voilà. reprend. Moi, j'ai déclaré la guerre au Pécor, je me recrute un. Est-ce que j'ai un général à portée de main? Non. Je recrute un général par les estates. Les estates, noblesse. Putain, faut que je redonne du territoire au Pécor. C'est là. Putain, j'ai des provinces à la con à leur donner, genre bon sang va donner. Hop. Je recrute un général pas grachère. Grachère. Pas cher, je veux dire. Jacques Grasher. Quand général cheap. Voilà. J'ai créé. Tu sais, des fois pour les généraux, au lieu de se faire cher recruter un général, tu prends un général par les estates et voilà. Ça marche aussi souvent. Ouais, je recrute mes 2 unités pour mettre des baffes. Ah, mais il se tape des indépendantistes, l'autre en plus. Dommage. Surtout pour lui. Exactement. J'arrive avec mes 19 000, j'arrive avec 21 000 hommes, je vais le défoncer. L'autre, je fais, ah, je déclare la guerre! Mais pourquoi? Bizarre, tu veux venir m'aider ou pas? Je suis pas en position là, parce que j'ai encore des rebelles à calmer là, enfin qui vont popper. Ouais. Des burgers. Tu Ah oui. sais, ces machins ronds là qu'on trouve dans les. Non, merde, pas ceux-là. Ouais, dans les. C'est pas celle-là? Bah merde, je connais que celle-là, moi. Mais si tu tapes des rebelles, ça va être cool, ça, pour déclarer la guerre. Moi, je continue à coloniser comme un cochon. Ah. Après, quand même, ces histoires de Random New World, c'est bien, c'est cool, mais c'est quand même un tout petit peu à chier des fois. Ouais, quand tu vois la gueule de tout le monde. Mais grave quoi, le truc. Enfin, moi je vois, c'est surtout les estates quoi. C'est comme le coup d'estate là que j'ai montré la Oui. partie présidente. Bah, vu que mon armée se déplace là, celui-là, le coup de Gablal, avec ça comme estate. Ouais, coucou, je suis un Voilà. estate. Tout autour, mais on prend pas la Moi, province. j'ai un estate. Enfin, tu vois l'île du Sud? Elle a 5 provinces. T'as 4 provinces qui font un estate, et t'as une province qui forme un estate à elle toute seule. Ah oui, pas mal. Pas mal. Ah non, pas ça. Pas tout à fait ça. Regarde, celle qui a les 4 provinces, elle a aussi une Oui! province sur l'île du J'ai Nord. remarqué, oui, celle-ci, ouais, en Non plus. mais, ça, des fois, il déconne. C'est comme moi, là, j'ai ma province, j'ai Gablal qui est isolée, j'ai Limkov qui fait tout le tour avec Ogle, j'ai Vedkal qui est toute seule, j'ai une grosse qui prend ça, une autre, elles sont deux, là, elles sont quatre, là, elles sont une en côte et tout. C'est une qui est toute seule, là, elles sont quatre. Attends. Ikadig. Ah non, c'est ouais, ok. Voilà, mon armée, elle est ouf, 32 jours. Ouais, puis merde, mon rocon, je vais le défoncer. Les rebelles, ils ont pris la province, ça c'est super.
Bastaxa. Wow. Mi fait pas envoyer au Japon, c'est bien. Il fait quelle taille 8 pizza YOLO à prendre? Il fait pile 100. Ah putain. C'est quoi ce nom, Pizzaiolo? C'est pas moi, c'est lui. On dirait un argument de gamin, ça. C'est pas moi, c'est lui. Monsieur, il C'est lui m'embête. qui s'appelle comme ça. C'est pas moi qui l'ai appelé comme ça, c'est lui. Et puis, il y a une autre raison pour laquelle on arrête la série, c'est que bah, on trouve que bah, ça tourne un petit peu en rond. Les Bah, continents sont beaucoup trop gros à conquérir. Et si vous. ça, voilà, ça a été très loin quand ça. Allez, Stack Wipe, au moins ça va Et puis calmer le honnêtement, est-ce que pécor. vous allez nous regarder faire que la colonisation de continents pendant des épisodes? Je suis pas sûr. Hein. Il y a quand même. Est-ce qu'il nous regarde tout courant? Ah, mais non, la silo, tu vas me choper mon territoire, ça va pas le faire. Après, qui nous regarde pas, on s'en fout. Hein. Ouais, c'est pas faux. Mais c'est mieux si vous regardez quand Ouais, même. c'est ça. En même temps, c'est que vous regardez ou vous regardez pas, ça nous fait pas plus de thunes. On n'est pas payé plus, on gagne pas plus d'argent. Mais c'est toujours gratifiant de se dire, bon, bah voilà, je fais quelque chose qui peut plaire à des gens, quoi. C'est ça. On aime bien voir vos retours, on aime bien voir vos commentaires. Après, moi, c'est calme. En début de saison, c'était bien, il y avait du monde. Là, des fois, je me dis, en fait, les gens, ils se font chier, ils veulent plus parler, quoi. 84, on va garder. Par contre, il y a cette région de merde, la l'anglicanisme, il va falloir virer cette connerie. Anglican, sérieux. Tchac-tchac. Moi je m'amuse à stack WP des petites armées qui fait popper. T'as raison. L'autre chose, ça coupe les petites armées. Ça fait du score de guerre, et puis surtout, ça lui pourrit son fric et son manpower. Pour pas cher en plus. Ouais. Brésil, Kaka, Wakaga. Doit falloir que je sorte de la guerre, l'autre pécor. Je vais laisser s'amuser là-bas. Ça va, c'est pas grand chose. C'est pas une menace, hein, le mec. Hein. Ah oui, non, mais là en plus, l'autre il avait la grosse armée, je stack pour IP son armée, donc automatiquement c'est tout de suite encore moins problématique. J'ai une armée avec 1000 fantassins, 1000 canons et un colon, enfin un colon, un conquistador. Je me dis, ça devrait passer. Hop. Y a pas de forteresse. Tu m'étonnes, j'ai avec une armée de 20 000 hommes dont 6 000 canons devant sa frontière, devant son bâtiment à l'autre là, Gazamondou. Tu vas faire non, je vais me faire casser le cul. Ouais, mon Trop gars. tard. Exactement, quoi. Bon, là, il me prend mes provinces. Vas-y, prends mes provinces avec ton armée. Allez, on va le curé. Gazamondo et Kiwalchu. Moi, je vais les sortir de la guerre.
Gazmandou, donne-moi tes thunes. Non, ça on s'en fout. De toute façon, je vais mettre le Steer Trade. Voilà. Ah, un zélote, ça va accélérer la conversion, c'est bien ça. Ces chiens d'Indiens. Un Enfin, pizzaïolo, il a d'un côté moi qui suis en train de lui défoncer le cul et de l'autre côté il a des rebelles qui ont popé. Je vais laisser les rebelles, comme ça va. Truquement, je sais pas si je peux prendre son pays en entier. Il a 5000 hommes, si je vais peut-être me faire casser le cul donc je vais peut-être aller le taper. ce qui serait pire en fait, c'est qu'en gros. Tu laisserais que les provinces avec les rebelles, en gros, histoire que les rebelles, ben, comme ça, au bout de 5 ans, les gars, Créer un nouveau ils pays? font appliquer leur révolte. T'inquiète, c'est à peu près prévu. C'est ce que j'ai à peu près prévu. Ah, et l'anglais recolonise. Qu'il est mignon, il n'a pas compris sa leçon. M'étonnes, c'est vrai que ça t'a. En fait, au final, ouais, t'as abandonné, mais ça t'a bien aidé, quoi. Oui. J'ai pris le volet, j'admets. Mais au final. Ah, ah non, je crois que. Qui c'est qui s'est fait enculer? Qui c'est qui s'est enculé? Mais oui, c'est l'anglais. Donc, est-ce que le Gazamandou il veut bien? Pas encore. Là, le truc des ventes de titres. La vérité, si tu payes, je te donne le territoire. La vérité. Gazamandou, pourquoi l'autre il veut pas l'autre enculé là? Je vais choper tout. Je contrôle sa capitale, il veut pas. Attends, je vais te défoncer. Je vais défoncer ta mère. Prends les 4000 cavaliers. Le mec, c'est. Je lui demande. Alors, je t'explique. L'offre de paix. Je lui demande tout son argent. Ouais. Il refuse. Je lui demande son argent moins un cran. Il accepte. Donc, de 85 score de guerre, je passe à 80. Sauf quand je lui demande tout son argent avec 5 lona, Ouais. c'est 5 pièces d'or. Quand C'est je mets un cran, c'est 4 pièces d'or. clochard. Par contre, je lui dis, vas-y, fais-moi du Steer Trade Power. Et il fait, oui, t'es mon héros. Ah oui, on n'oserait pas s'opposer à toi. Ah ben, il y en a un autre qui reste. Mais pourquoi il s'est fait casser le cul, lui, qui lui reste une armée qui. Ah, il s'est fait défoncer par les natifs. Ah merde. Non, c'est vrai que c'est pas le genre de territoire. Stratégiquement parlant, c'est pas intéressant ces territoires-là. T'as un bout à droite, un bout à gauche. Ah, ils essaient de siéger mes provinces, ouais. Voilà, c'est juste qui me dit, laisse t'occupe tes provinces, moi j'ai défoncé ta race. Ah bah j'ai déjà fini la capitale, bon bah ok.
Tu es en train de jouer gros rageux. Ouais, je te nique ta mère parce que moi, de toute façon, je chope tes provinces. Moi, j'ai pris ta capitale, tu disais. T'es gentil, tu sais te coucher, d'accord? C'est à peu près ça, ouais. Beaucoup de gamins, tu joues dans la cour des grands. Je vais prendre son fort. Je prends son petit cul. Donc. Putain, mais les Anglais, ils se déplacent en mode cancer là, ils sont en train de s'éparpiller. Ah ben ça. Là, c'est bon, c'est lui. Hop. Ouais, l'outil chope, mais il fait, vas-y, je contrôle des provinces. Je dis, ouais, c'est cool ça. Ça peut te faire Voilà. plaisir. Je suis tellement modisipidi, j'envoie ma cavalerie, enfin, 1000 fantassins, 4000 cavaliers et 1000 canons s'occuper de la capitale de l'autre. Oh zut, il a pris mes territoires là-bas. Ah non, pas les paysans. Bon, c'est pas grave, on va les défoncer. C'est pas plus cher. Ah lui, c'est vrai que par contre, je le gobrais bien. On va attendre. L'armée est arrivée. Ici, on va prendre la cavalerie. On va décider. Oh, j'ai toujours pas chopé le territoire là-bas. C'est le dernier épisode, on s'en fout. Ouais. Faites sonner les canons. C'est où le bombardement déjà? Force de marche, non. Scorched Earth, non. Ah oui, il faut être sur la Vue vue du siège, ça prend du. vue du siège. Ouais, merci. Siège. Canon! Ça, les sièges Ikea, tu vois bien les sièges Ikea, ils sont beaux. Ben c'est pareil. Les Anglicans, ça se convertit facilement. Hop, 34. Donne-moi toutes tes thunes. De toute façon, t'en as plus. Donne-moi ton territoire. Donne-moi ta femme. Les photos de ta femme. De ta voisine. Président Kutplukatum. Bien. Quand tu penses, toi, tu penses à une connerie. Quand tu te mets à rire bêtement, c'est que t'as une idée à la con et que t'as pensé à une blague toute C'est nulle. ça, c'est un petit peu ça parce qu'en fait, aujourd'hui au lycée, on s'est quand même bien fait chier hein, parce que je veux dire, le matin de 8 à 12, ben, nos élèves, ils sont pas venus, donc on a glandé. L'après-midi, on a eu 2 heures de garderie. Et après, on a attendu plusieurs heures pour avoir le conseil de classe. Et le problème, c'est que ben, on avait un collègue qui était un petit peu débridé. Et puis dès qu'il peut être touché, ben, il se mettait à gueuler, toucher, toucher la chatte à la voisine. En résultat, ben, Bravo. j'ai ça en tête. Ah bah bravo. C'est la fin de l'année, on Okay. pète un câble, hein, c'est normal. Ah d'accord, ouais. Quand je serai grand, je serai prof. T'as entendu parler d'un truc qu'on appelait les 35 heures? Je te parle pas dans le mois, hein. Je te parle 35 heures. 35 heures, comment ça, par semaine? C'est ça? Ouais. Ah ouais, je connais, c'est un concept chelou. Vous êtes de ceux qui ont pour le faire, vous, pourquoi on le ferait Ah, nous? c'est ça, c'est clair ça. Allez, je vais aller là-bas, le temps que j'arrive, il aura pété son armée. Là. Pas prendre la tête, hein. 35 heures par semaine. Et c'est cette réflexion Ah. complètement ridicule qu'on va arrêter l'épisode. Voilà.
Et donc, même, je te dirais même plus, on finit ma guerre? Ouais, vas-y, histoire qu'on finisse la guerre. Ça fera quelque chose. Comme ça fera un épisode un peu plus long, Ouais. voilà, pour finir. Ouais, on n'est pas des ratchouns, enfin pas trop pour une fois. Je vais regarder ce que ça donne chez toi. T'as plein de micro-états par contre dans ton bled. Le Brésil. Alors que moi, c'est la dèche. Ouais, c'est ce qui m'a aidé. Au début, ce qui m'a fait peur, au final, c'est ce qui m'a aidé à grossir, quoi. Toi, t'avais des micro-états qui t'ont un petit peu cassé les couilles. L'autre là-bas, il occupe du territoire. Ouais, Lumi, pas de soucis. Vas-y, fais-toi plaisir. Change pas de machin que ça vient. Toujours pas me donner ton Par truc. contre, ceux qui sont au fond, là, faut leur dire d'aller prendre, je sais pas, un grog, là, du miel. Ceux Lesquels? qui agonisent derrière toi, là, en arrière-plan. Oh, c'est ma moitié. Ah. Tu feras un Bon, grog de 142, miel. 149. Ouais. Non, plus de calories, parce qu'on est gras comme des cochons, les deux. Les asperges, ça aide. Je vais dire une connerie, il y a des mineurs qui nous regardent. C'est une fois, c'est Jay qui s'est fait un peu agresser par un mec en disant « Ouais, les propos que vous avez, mes enfants, ils regardent. » Putain, il lui a fait une espèce de morale, Jay. Il a chopé le mec, il lui a fait la morale. L'autre, il comprenait pas, quoi. « Ben, mon gars, c'est à toi de contrôler si tu regardes tes C'est-à-dire gosses. » En qu'apparemment. même temps, je dis ça, mes filles, je contrôle absolument pas ce qu'elles font sur leur PC, quoi. Bon, après... Tant qu'elle tombe pas sur des profs qui gueulent tout chèche à ta voisine, ça va. Moi, c'est encore trop jeune pour avoir des idées, penser à des conneries. Aïe, aïe, aïe. Mais putain de ta mère! Non, pas toi, hein. Putain, je me suis fait défoncer mes canons. Par des putains de paysans rebelles à la con. Non, revenez, monde de connards. L'autre pécor. Elle veut toujours pas mener son territoire? Ouais, bientôt, bientôt. Oh, c'est affreux le lag que j'ai. Je donne mes ordres et la souris, elle agit 4 secondes plus tard, quoi. Wow. C'est quoi ça, ce looming disaster? Plutocratique coup. Moi, je m'en bats les couilles. Moi, On j'ai que sera ça pas là des pour le potes. voir. Voilà. Moi, ce qui me bluffe quand même, c'est le Ming, 100%, 100 en Mandate of Heaven, qui a passé toutes les réformes avec une méritocratie de 94. Là, faut que j'essaie de comprendre, il a que dalle en tributary. Je comprends pas comment il a pu faire. Il s'est pas étendu, il est resté tout petit en Ouais, mais ses fait. tributaires, en fait, ils sont quand même assez gros. Et y a pas de non-tributaires, ça l'a aidé. Ah, âge des absolutismes. Je pense que l'entrée dans l'âge des absolutismes sera un bon moment pour arrêter la série. J'ai bientôt fini, j'ai bientôt fini. 94%, Voilà, donc. le premier. C'est bon, ça devrait être bon, là. J'attends que mon Claude Pécor y revienne. Hop. Voilà. Et voilà, la fin de l'épisode sur... je suis gentil, je suis cool, tu vas regarder comme je suis réglo avec l'autre connard. Regarde ce que je lui ai laissé comme territoire. Je lui ai pas laissé les territoires qui étaient occupés. Bon, il a encore un territoire et il a une armée de rebelles dans le coin. Oui, t'es réglo, tu as laissé ces rebelles, c'est gentil, hein. Voilà, il a 10 000 hommes, voilà. De toute façon, tant qu'il vient pas chez moi, le rebelle... Il a 10 000 hommes, l'autre là où il est en train de me foutre des. Ah, et la seule armée qui restait, en fait, tu regardes, c'est au nord de ma Ouais. côte. C'est pas mon ennemi, c'est l'autre qui avait les. L'autre pécor qui avait des troupes. Donc voilà, j'ai passé mes missions. Build buildings. Ouais, cool. Et voilà. Bon, bah sur ce, les gens, hein, on va s'arrêter là.
On vous dit bye bye. En tout cas, merci d'avoir suivi la série et on espère que ça vous a plu. Et de toute façon, bah là, au moment où vous regarderez cet épisode, on aura sûrement lancé la nouvelle série avec Serikai. Donc voilà. Allez, ciao tout le monde. Bye bye. Au revoir les gens.